soirée, bienvenue sur Bordeaux Replay pour un nouvel épisode de Bordeaux Soirée spécial business. On se retrouve sur le Marco Polo, la péniche bordelaise, pour fêter les 12 ans de Booster Academy. Booster Academy, c'est le centre de formation intensif à la vente. Et justement, ce soir, c'est beaucoup de réseautage à la sauce bordelaise. Alors, qu'est-ce que c'est? On est parti à la rencontre des chefs d'entreprise. C'est parti. Que le réseau à Bordeaux, ça se fait toujours dans la convivialité et c'est ce qui est beaucoup, enfin c'est ce qui est vraiment plaisant. C'est toujours intéressant de partager et surtout à Bordeaux où c'est relativement petit, de connaître un peu des gens qu'on peut retrouver ensuite par ailleurs, échanger des expériences et puis progresser ensemble. Alors, c'est déjà se retrouver autour d'un verre de vin. Bordeaux ne peut pas fonctionner sans ça, mais le réseautage à la bordelaise, c'est rencontrer du monde, s'entraider, pouvoir programmer, pouvoir avancer, et sachant qu'à un moment donné, on aura toujours besoin d'un conseil, et le réseautage permet justement ce conseil, qu'il arrive rapidement, promptement, et qu'on puisse progresser et ne pas rester tout seul devant son verre. Bon, pour moi, c'est pas du tout facile de réseauter. Bon, il faut apprendre ce soir. Oui. Et vous ? Bah, à la bordelaise, autour d'un verre de vin, c'est plus facile. Quelles sont les recettes du réseautage à la bordelaise? Bah, déjà, il faut un petit peu de vin, clairement, hein. Et puis aussi, allez, un peu de caviar pour ce soir, c'est plutôt sympa. Des personnes, des belles personnes qui ont envie de se connaître, de se découvrir. Rien de tel. Vous avez joué, vous avez gagné, vous avez aussi réseauté, on vous sent à l'aise. Quelles sont les clés du bon réseautage à la bordelaise? C'est ce type d'événement, c'est de se retrouver peut-être régulièrement dans différentes soirées autour de bons vins et d'un bon repas. Et c'est surtout des échanges. C'est assez fréquent à Bordeaux de faire ça sur des bateaux et autour du vin. Dans le vin, quand même, on est dans la région, dans le cœur du vignoble français, donc c'est assez courant, mais c'est toujours agréable et c'est toujours un bon moment et on a toujours des choses à découvrir. Le réseau, c'est d'abord la convivialité, l'amitié, la rencontre, les affaires, on verra après. Mais ça se fera certainement par la suite. Mais avant tout, la convivialité, l'amitié. Nos Bordelais, ils sont comment sur une péniche? Très festif et très agréable. Ouais, on est là, on fait du business, mais dans la détente. Ah, plus que dans la détente, c'est de l'amusement, ils profitent, très agréable et spontané. Voilà, ils sont très spontanés.